Et salut à tous, et ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo sur The Last of Us. Et voilà, il fallait bien recommencer un jour, les amis. Donc c'est parti. Et avant toute chose, en fait, ma réticence à jouer à ce jeu-là, c'est que je trouve l'histoire géniale. Je trouve l'histoire géniale, mais la jouabilité est dégueulasse. Et en fait, c'est ça qui me casse l'envie d'y rejouer, en fait. C'est que... D'un côté, je me dis, ouais, j'aimerais bien continuer l'histoire et tout, mais waouh. La jouabilité n'est pas fameuse, hein. Faut être sincère. C'est pas folichon. Sinon, je viens de finir à l'instant The Walking Dead. Et je me suis dit, oh putain, mais vu que j'ai The Last of Us qui est pas très loin. Pourquoi je testerai, je jouerai pas à ça. Donc voilà, ce qui me reste à faire, c'est Assassin's Creed, que je dois continuer, ce jeu-là, que je dois terminer. Oh. Je vous conseille d'emporter tout ce qui vous paraît utile, tout de suite. Non, merci. Allez, regarde s'il y a des trucs utiles dans le coin. Ça marche. Ok, il faut déjà que je me... La carte de Billy. Ok. On a pas de trucs comme ça, hein. Bon. Jean-Michel, on y va? On y va, Jean-Michel. Eh, hey, tu sais y jouer? Ouais. Plutôt mal, mais ouais. J'ai toujours voulu apprendre. Hé, hey, Bobby Fischer, pas tous à l'échiquier, compris? Bobby qui? Rien, laisse tomber. Wow, 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 comme tes nerfs. Salut. T'as tout ce qu'il te faut? C'est bon. Pire, on avisera. Viens, on y va. Fermez bien la porte, surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne l'autre bâtiment. Fermez bien la porte, je viens juste de claquer la porte comme ça. Surtout, ne t'éloigne pas. Et dans quoi tu t'es encore fourré, Bill? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seul, là-bas. Tu rigolais pas en parlant de lui. Ouais, il y en a pas deux comme lui. Alors dans quel pétrin tu t'es fourré? Et où est passé Tess? C'est juste un boulot, une livraison. C'est quoi le colis? C'est une gamine? Ha ha, je vous emmerde. J'espère que tu sais ce que tu fais, au moins. Mais c'est quoi, ça? Alors, on va où, Bill? Mon autre planque. Plutôt un gendarmerie. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Hein? Tu sais réparer une... Bill, laisse-la. Je te l'ai dit, j'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé de la ville. Un coin où je mets jamais les pieds. Ça grouille d'infectés. Donc il nous faut plus d'armes. Ça c'est Bruce. Il y en a un à l'intérieur. Oh, j'avais prévu de nettoyer ça. Relax, c'est rien. Au fait, tu m'as pas répondu pour Tess. Je croyais que vous étiez inséparables tous les deux. Elle est occupée. C'est ça, occupée. J'ai l'impression. Il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, un peu comme ça. C'est vrai, ça. Allez. On y va. On y va, les amis. Toi, j'ai des trucs pour réparer. Pourquoi vous réparez pas l'une de ces voitures? Ma parole, t'es un petit génie, toi. Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une. Ok, arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Ok. Vous avez fini? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnole neuve. Okay. Merde! Tiens-toi prêt! Da 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 da. Oh!
faire, Akcho? Et voilà. On est dans... Bien joué. Viens me filer un coup de main ici. Attends, je suis occupé, tu vois pas? Ça me déplaît pas de, d'avoir attendu tout ce moment. Mais lui, il joue un meilleur coach que nous, il a les meilleures armes, c'est de la triche. Bon, il faudra que tu vérifies les barricades. Voilà ce qui arrive quand on fait pas gaffe aux petits détails. Tu sais ce qui t'attend? Faudra récupérer le matos dans l'entrepôt, ouais, et l'emmener jusqu'à la barrière, encore. Ça va te prendre. Bill? Joël? Par là. Allez, on monte. Attends. T'aurais pu choisir un autre endroit au crochet. Ces trucs sont horribles, mais au moins ils sont pas visibles. Les gens normaux qui me foutent les jetons. Bien placé pour comprendre ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Rien. C'est bien vrai, ça. Tu crois que cette porte va les retenir? Ils ont pas la clé, moi si. Ça, c'est bien vrai. Bon, c'est par où? On y est. C'est au sous-sol.
Attends, comment on fait pour charger? Voilà. Oui. Moi je suis, hein. Ok. Allez, on descend. Bon, nous y voilà. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte ? Il faut s'équiper. Non, non. Quoi? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joël, je peux me défendre toute seule. Non. Écoute, reste là. Ok, j'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide. En fait, c'est son idée. Vraiment? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Hey! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches? Je t'ai dit quoi? Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Continue à jouer les babysitters et tout ça va finir par te péter Bill, à la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça? Tiens. On va en finir avec ça. Non. Bon, avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est? J'ai un nouveau joujou à te montrer. Attends. Bon, cet emplacement est bien. Ça tiendra. Attends, il y a des choses. Je le pille, c'est tout, c'est bien. On dirait un bon emplacement. Bon. Ok. Ça ira très bien. Je récupère des trucs, mais je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Bon, il est où le monstre là? Voici une bombe à clous. Fais attention avec ça. En explosant, ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. Waouh. On a des fusils et des bombes. On est censé en faire quoi, au juste?
De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Je suppose qu'ils cherchent des provisions. Si vous pouviez voir tous les trucs qu'ils repèrent pas. Enfin bref. Il y a quelques mois, en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut, et il a fini par se cracher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo! Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là. Mais on s'en fout! Joël veut une caisse! Et si elle est bousillée? Non, ces camions sont de vrais tanks. Je suis sûr qu'elle est intacte. Ça pourrait marcher. C'est vrai, ça. Tap, 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 tap! Allez, c'est parti! Je te préviens, petite, si t'as piqué un truc. Eh, hey, mec. J'ai pas besoin de toi, crois-moi. Joël, j'espère que tu surveilles la petite. Je l'ai à l'œil. Attends. Je regarde s'il y a un truc intéressant. Y'a rien en fait d'intéressant. Bon. Salut. Salut. Wow. C'est sympa chez toi. Si t'as quelque chose à confesser, c'est l'endroit idéal. Ellie, viens. Là, c'est le lycée. Ok. C'est bon? On verra bien. Bon. Oh, la vache. Après cette porte, je serai en terrain connu. Je m'en occupe. Merci, Jean-Pierre. Hey, hey, vous entendez ça? Silence. Oh putain, ces connards. Il faudrait des années avant. Je ramasse. Bon, déjà, on va faire ça. Parce que je sens le coup de pute. Alors, je vais sauvegarder. J'étais bien parti. Et oui, je suis une grosse merde. Voilà. C'est reparti. Normalement, il n'y a personne là, vu que j'ai nettoyé la zone. C'est cool. Ok. Éloigne-toi d'eux. Par ici. À l'aide. Merde! Je crois que c'est bon. Bien joué. On n'est pas encore à l'abri. Oh, merde! C'est génial! Oh merde, fermé. Attendez, j'ai la clé de cette porte.
Il va falloir qu'on soit discret. Mais non. Pourquoi être discret? Hein? Faites sens avec toi. Je gaspille mes balles. Style. I'm an assassin. Trop loin. C'était une mauvaise idée. C'est génial! Si vous me donniez une arme, je pourrais vous aider à buter ces enfoirés! Ferme, boucle-là! Putain! Non, y a plus personne! Ça. Et voilà. Putain, mais ta gueule. Ok. Où est-ce que je dois aller? Je dois faire quoi? Pousse-toi. Quoi sert cette maison? Personne, on continue. Mais ça aussi, il y a un truc intéressant. Il y a des flèches. Il y a ça. Par là. C'est bloqué. Et si on passait par là?
Quoi, la chatière? C'est toi qui vois, Joël. De bah, toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Surtout, fais très attention. T'inquiète. J'aurais peut-être dû lui filer un flingue. Ok, Bill. Il y a d'autres claqueurs à l'intérieur de la maison. Ils nous ont pas encore repérés. Faites gaffe. Attention. Je t'ai vu mon niveau de skill. Tellement niveau. Putain, pas mon autre photo. On continue. On continue. Bon. Reprends. Ok. Celui-là, il est facile à avoir. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Peut-être le dernier, il est où? Ah, là. T'as vu comme c'est trop fort. Bon. Prendre le flingue. K.O. Prends ça. Allez, on grimpe. On passe par dessus le camping-car. Ça devrait être bon. Allez, 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 allez. Qui a bien pu laisser ça ici? Vous avez des amis en ville? Non. Mais je crois bien savoir qui a pu passer par là. Qui dit le nous? Le lycée est de l'autre côté de la maison. Il faut qu'on entre. Allez, allez. Ouais. Hey, Joël. Ouais. Plein de flèches. J'ai besoin d'un coup de main. Je l'avais dit. Voilà le camion. Juste devant le lycée, là-bas. Allez. Ok. Ça grouille d'infectés, là-haut. Essayez de pas faire de bruit. Ok, ils sont à peu près combien? J'en vois 3. Et je suis une grosse clète. Il va aller voir.
continue comme ça. Je vois qu'un, mais en fait il y en a deux, au moins. Je l'avais vu celui-là. Je l'avais vu. Ben, continuons. Ça peut te flasher tout, hein. Cours, allez, cours. Ça grouille d'infecté là-haut. Essayez de pas faire de bruit. Cours, allez, cours! Ma foi, je m'attendais à pire que ça. Il se plante peut-être ailleurs. Vaut mieux pas prendre de risques. Comment on fait pour entrer? Quelqu'un a laissé une échelle sur le bus. Fais-moi grimper pour que je la descende. T'es où, Jean-Claude? Ah, t'es là. Allez, vas-y. Essaie de ne pas te faire tuer. Merci, Bill. Tout va bien. Il faut qu'on accède au capot du camion. Pas les comics, il y en a plein. Merde, vous entendez? J'arrive, bordel, j'ai fermé la clé! Bon, alors on entre en vitesse, on récupère. On est ici. Merde! Ils sont en train de s'agglutiner contre la barrière! Elle est fermée! Elle peut pas se tirer! Il faut qu'on entre pour atteindre la barrière! Allez, dis-moi que t'as fini.
GB. Quoi? GB, putain! Les gars! Bill, on va où? On va où? Pas là, en tout cas! Allez, mine-toi, tu viens! Ils sont en train de... Bon. Bon. Passons par derrière. Vous deux, suivez-moi. Je vais nous faire sortir de là. Ok, ok. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on va devoir se battre, hein, je parie. Quoique j'ai une autre idée. Dans le couloir, on pourrait passer par les salles de classe. Voilà, c'était une... c'était la technique. Elle a marché. Et c'est vers bas là. Il y a un passage! Il faut juste qu'on parvienne à passer! C'est génial! Ça se transforme en Call of Duty des fois. C'est génial! Vérifiez un passage dans le couloir! C'est génial! Génial! Ok, on recharge les armes. Je fais le coup de pute, hein. Aide-moi à l'ouvrir. Ok, prêt? Encore une. Allez. Mon gros chemin. Barricadez les portes. Ça marchera pas longtemps. C'est pas bon signe. Putain, c'est quoi ça? Un putain de colosse! Quoi? Elle est à l'abri. Je m'en charge. Eh ouais. Ta mère en route, voilà ce qu'elle fait. Donc on va de toute façon se quitter là, hein. Voilà. On a quand même un peu avancé, et c'est bien. Donc, ciao !